Bonjour Joseph Lenné. Bonjour Vous Thibault. êtes économiste, vous êtes consultant financier et on va parler aujourd'hui de l'euro en essayant de prendre un petit peu de recul. Alors, c'est vrai que la monnaie unique est l'objet de critiques récurrentes, mais vous la considérez comme un succès. Oui, Pourquoi? je la considère comme un succès même à la fois exceptionnel et inattendu. Pourquoi? Parce que au moment de sa création, on ne donnait, je dirais, beaucoup de gens ne donnaient pas cher de sa peau. Et beaucoup de gens s'attendaient à ce que l'euro fasse un flop. En fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. Rappelons que l'euro a été lancé sur les fonds baptismaux monétaires en janvier 1999, sous forme scripturale, sous forme de compte en banque, et puis ensuite, 3 ans plus tard, sous forme de billets et de pièces, en 2002. Et en fait, même avant d'être émis sous forme de billets et de pièces, il est devenu la première devise en matière d'émission obligataire, dès sa naissance. C'est un gros succès. C'est la première devise en matière de montant de billets et de pièces dans le monde. Et si on regarde l'évolution par rapport au dollar, là aussi, on peut parler de succès? Mais je crois que c'est aussi un grand succès, parce que même s'il a au départ pas mal perdu de sa valeur par rapport au dollar, ensuite, pendant une bonne dizaine d'années, les critiques qu'on lui a faites, c'était qu'il était justement trop cher par rapport au dollar. Ce qui est quand même un comble pour c'est l'inverse d'une devise faible, c'est une devise forte. Quels sont les éléments qui permettent de dire aujourd'hui que c'est devenu une référence mondiale et que l'euro est devenu incontournable? Bien, l'euro est une devise qui compte en matière d'échanges internationaux. C'est une devise qui permet aux différents pays de la zone d'échanger de façon tout à fait libre leurs biens et leurs services commerciaux. C'est une devise qui a été adoptée par tous les pays du monde. Vous pouvez aller dans n'importe quel pays, en Amérique latine, en Russie, en Israël, en Afrique. Et si vous avez des billets en euros, eh bien, on peut les changer Comme contre le dollar, comme le finalement. dollar. Voilà. À sa création, l'euro était attaqué sur les marchés, vous l'avez rappelé. Comment expliquer que finalement, malgré tout ce qu'on disait, que l'euro ne donnait pas cher de sa peau, mais pourquoi, malgré tout cela, il ne s'est pas effondré? Je pense que c'est une. Je pense qu'il y a eu une sorte d'alchimie qui a été réussie. Il y a eu l'économie sous-jacente de la zone euro, qui est de fait la première économie, ou une des premières économies mondiales en termes de PIB. Le fait qu'il y ait une économie sous-jacente très forte, cela a soutenu l'euro. Et puis, il a été adopté également comme monnaie de réserve par les banques centrales pour faire un petit peu contrepoids au dollar. Comme je vous le disais, il a été très très utilisé en matière d'émissions obligataires. Et toutes sortes d'instruments financiers ont été créés sur la base de l'euro. Et rappelons que s'il n'y avait pas eu l'euro, je pense que la grave crise de la dette européenne de 2009, 2010, 2011 aurait été, je dirais, beaucoup plus dramatique. Donc on peut dire que 15 ans après sa création, l'euro a atteint ses objectifs initiaux. Alors, il a fait mieux qu'atteindre ses objectifs initiaux. Je pense que c'est un succès qui est inattendu. Et a priori, il pourrait avoir vocation à s'étendre à d'autres pays. C'est ce qu'il fait d'ailleurs progressivement vers l'Europe de l'Est. Mais je trouve qu'on pourrait même carrément le proposer à d'autres pays, par exemple à la Turquie ou à d'autres pays associés commercialement à l'Europe. Pour terminer, Joseph Lédé, est-ce qu'on connaît d'autres exemples réussis d'union monétaire? Alors, il existe une union monétaire qui n'est pas très 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 connue, qui a été lancée, alors je vérifie mes notes, mais qui a été lancée en 1865, donc il y a plus d'un siècle, qui s'appelle donc l'Union latine. L'union latine. L'Union latine. Et alors il y avait 4 pays qui l'ont lancée: la France, la Belgique, la Suisse et l'Italie. C'était sous l'impulsion de Napoléon III. Ces 4 pays ont été rejoints par la Grèce en Clin d'œil de 1868. l'histoire. Et puis, je vérifie encore mes notes, plusieurs autres pays se sont associés par des accords bilatéraux: l'Autriche-Hongrie, la Suède, la Russie, la Finlande, la Roumanie, l'Espagne, le Vatican, etc. Et j'en passe. Et ça a marché. Et alors, ça, c'était un peu compliqué parce que c'était une union sur la base
de pièces de monnaie standardisées, mais bimétalliques, c'est-à-dire qu'il y avait une teneur officielle en or pour les pièces, une teneur pour les pièces en or, une teneur officielle pour des pièces en argent. Et tout ça constituait un système un peu compliqué, car chaque pays conservait la dénomination de sa monnaie. Et puis, le prix relatif le coût relatif d'extraction de l'or et de l'argent variait en fonction des découvertes minières, ce qui fait parfois on avait intérêt à faire fondre ces pièces pour récupérer du métal, etc. Donc ce système, en fait, petit à petit, est devenu monométallique, c'est-à-dire qu'il s'est concentré sur uniquement la parité en or. Et puis, au début du XXe siècle, un peu avant la guerre, il a pratiquement cessé d'exister. Il faut dire que ni la Prusse, ni l'Angleterre n'avaient décidé d'y adhérer. Ça, c'était peut-être un défaut initial. Donc, on voit bien que ce dernier exemple remonte déjà à loin et ce qui fait de l'euro aujourd'hui une réussite d'autant plus exceptionnelle. Joseph Ledé, merci de cet éclairage. Merci beaucoup.